Donc voilà. Donc j'ai changé de ligne. Je suis passé d'un flotteur de 0,05 g à un flotteur de 0,20. Parce que ma ligne mettait trop de temps à se mettre en place. Elle se prenait dans les impuretés de l'eau, les fleurs de saule, tout ça. Et les arbres et les arbrettes suçaient le pinky et la ligne ne se mettait pas en place. Donc, un peu plus lourd, c'est mieux. Ensuite, j'ai remarqué que les poissons mordaient mieux derrière la morse. Donc, j'ai rajouté un brin. J'ai repris le même fond. Je suis décollé de 2-3 cm. Voilà. Donc le poisson semble arriver. J'ai fait quelques gardons, un petit cheven, 2-3 petits rotangles. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Aussi eu une chasse de brochet tout à l'heure, ce qui n'arrange pas les choses. Toujours pareil, hein. Rappel régulier, toujours au même endroit. Comme repère, la tache d'herbe. Trou dans le fond, on ramène de l'herbe, mais pas bon. Donc je vais descendre de 2-3 cm mon flotteur. Voilà. Ça devrait aller mieux. Les poissons qui ont peur, à mon avis, il va y avoir un carnassier dans le coin. Même plus une touche. Sont partis apparemment. J'ai essayé de rappeler un peu plus loin. Deux, trois petites boules. Voilà. Essayez d'éloigner ce carnassier qui me gêne.
bizarre. Regarde le flot. Ah ouais, c'est mieux. Ouais. Une fois que le poisson sera revenu sur l'amorce. J'espère que vous voyez bien le nuage dans l'eau, très attractif. Chevenne saute dans le courant en face, après les fleurs de saule. Mais on ne peut pas venir ici, on était qu'un petit tout à l'heure. C'est tout. Le poisson est reparti. Je vais recouper ma vidéo et je vous reprends quand les poissons seront revenus.